L'équipementier aéronautique Safran a donné naissance à une nouvelle entité baptisée Héraclès. C'est le fruit du rapprochement de ces deux filiales SME et Snecma Propulsion Solide. Cette nouvelle entité du groupe Safran lui permet de devenir l'un des leaders mondiaux de la propulsion à propergol solide et devrait générer un chiffre d'affaires de près de 700 millions d'euros. L'opinion des analystes de l'OPSA sur cette valeur est haussière. Le titre lâche 1,84% à la clôture.